dit, cette victoire, elle nous fait du bien. C'est une victoire qui allait se chercher au mental et au combat. Voilà, on est une équipe avec beaucoup de mental. On sait que le match, il allait être difficile parce que c'est une équipe qui avait gagné déjà la semaine dernière. Nous, on était encore en recherche d'une victoire, malgré notre très bonne prestation qu'on avait réalisée la semaine d'avant à Rennes. Donc cette victoire, elle nous fait du bien. Le scénario du match, il est un peu particulier. Les 10 premières minutes, on juge notre adversaire, on touche pas énormément de ballons. Et puis on arrive à marquer sur coup de pied arrêté par notre capitaine du jour, Sylvain Richard, avec beaucoup d'absence de notre côté sur le 11 de départ, avec notamment notre capitaine qui n'était pas là, qui était suspendu, Ghislain Gimbert, notre meilleur buteur de la saison pour l'instant, Junior Mathieu Bandzila aussi qui n'était pas là. Donc voilà, c'est vrai que sur le scénario du match, on est plutôt récompensé de tous les efforts qu'on réalise depuis le début de la saison. Cette victoire, elle fait un bien fond, elle nous fait un plein de confiance exceptionnel, même un bol d'air, parce qu'au final, on arrive à enfin décoller de ce championnat. Voilà, ça faisait 2-3 matchs qu'on avait fourni beaucoup d'efforts. Et puis là, sur ce match-là, nos efforts ont été récompensés. Donc, c'est formidable de pouvoir le faire à ce moment-là et d'aller chercher d'autres victoires et garder cette série, on l'espère. Alors, sans vous mentir, on n'a pas changé grand-chose par rapport au match du Stade de Reims ou la réception de nos gens en Coupe de France. La seule chose qu'ils nous ont demandé, c'est de rester sur notre ligne directive, de pas changer notre manière d'être. Et surtout, il nous a dit une chose, et je pense que c'est la chose qui nous a le plus marqué, c'est que hier, si on ne prenait pas de but, il était persuadé qu'on allait marquer et qu'on marquerait des buts. Au final, on en a mis qu'un, on n'a pas pris de but. Et voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on prend notre première victoire et elle nous fait un bien fou mentalement. Oui, voilà, nous, il faut que ce soit notre match référence, le match qui lance le début de quelque chose, le début d'une série, et surtout le début de quelque chose dans ce championnat où on sait ce qu'on va chercher. Voilà, on n'a pas été dans une prétention autre. Hein. On sait que nous, on va jouer le maintien, on va essayer de se maintenir et puis on verra par la suite. Mais c'est sûr que ce match-là, aujourd'hui, c'est un match référence pour nous. Et voilà, c'est pour aussi mieux préparer ce match et ce déplacement à Quesnoy au 7e tour de Coupe de France. Voilà, comment l'aborder? Bah, j'ai envie de vous dire, il faut l'aborder comme chaque match de championnat, chaque match de coupe. Il faut jouer à fond, être concentré dès les premières minutes. Et voilà, essayer de marquer tôt dans ce match pour pas laisser espérer cette équipe. Mais voilà, nous aussi, on a une petite pensée parce que si on se qualifie, on a le déplacement en Polynésie si Tahiti passe. Et si Tahiti passe pas, on recevrait Paris FC une Ligue 2. Donc c'est sûr que pour nous, la victoire serait plus alléchante. Et puis je pense que tout le monde va être à 300% sur ce match-là comme sur tous les matchs. Donc j'espère que ça le fera pour nous.